Une thématique qui. J'ai fait alors celle du loup. La thématique du loup est, je crois, importante dans les Hautes-Alpes. Je ne sais pas quel peut être le lien que vous avez en bibliothèque avec cette thématique-là. Pour des avec les enfants, avec les parents, je ne sais pas s'il y a. Voilà. Récemment, depuis le mois de mars, et a été nommé sur le département des Hautes-Alpes un médiateur sur le sujet du loup qui devrait être en charge de faire le lien entre les associations écologie pro-loup et les éleveurs, qui ne sont pas forcément. Je pense que, enfin, pour l'avoir vécu, la loupiote est voisine de la SAPN, petit local de la Société Alpine de Protection de la Nature. Voilà, on a le souvenir d'avoir eu une manifestation d'éleveurs, déposer des charognes de brebis, en lançant l'injonction aux trois bénévoles de l'association, si c'était ça qu'ils voulaient, c'est ça qu'ils entendaient, par la réimplantation du loup. J'ai réalisé à ce moment-là la violence de ce que l'on appelle même pas un débat, mais de ce qui est une bataille de tranchées, en fait. On est sur des lignes qui ne bougent pas. Il est temps, je crois, vraiment, de pouvoir envisager une discussion qui va se mener. Je pense que, au niveau voilà, de nos territoires, ça va être une question importante les temps à venir. Dédramatisons, dédiabolisons la bête à travers les récits qui en découlent. Outre le. Voilà, on a toujours, malgré tout, cet imaginaire du grand méchant loup, qui se désamorce quand même depuis 10 à 15 ans maintenant, avec ces loups tournés en ridicule, ou qui finalement font croire qu'on l'air méchant, mais ne le sont que par nos a priori. Sur ce travail d'Antoine Guillopé, notamment, avec ce garçon-là qui est un grand loup ombrageux, travail de noir et blanc, qui court dans la forêt, ce petit garçon qui croit notre a priori nous fait dire qu'il s'échappe, qu'il est en train d'essayer de s'échapper des griffes du loup. En fait, non, c'est un jeu. Et ce brave loup, voilà, c'est le compagnon de route du petit garçon, de l'enfant, quel qu'il soit. Là, c'est à travers la mythologie mongole qu'on va le découvrir, au pays des loups qui chantent. Et ce lien qui s'est établi justement entre habitants des steppes, des grandes steppes. Les hommes qui nomadent vont au gré des saisons. Vous voyez la richesse des pastels, illustration, cette ampleur qu'on a. Pour apercevoir son voisin, une paire de jumelles. Pour lui serrer la main, monter en selle et chevaucher jusqu'à la nuit tombée. En guise de maison, des tentes de champignons posées ici et là au gré de l'herbe fraîche. Autour, un jardin si grand qu'on n'en voit pas le bout. Sans barrière, sans portail, sans limite. Un jardin si grand qu'on y rencontre le loup. Le lien est posé avec nos territoires, clairement, je trouve. Je vous vois venir. Un loup de compte, pensez-vous, un loulou, un loup-garou, un loup déguisé, un vilain loup. Enfin, ben non, celui qu'on aperçoit là-bas arpente les montagnes, nu, sauvage et libre. Ni méchant, ni gentil. Un loup, tout simplement. Les bases d'une discussion se posent là. Clairement, est-ce qu'un loup, est-ce qu'un animal peut être méchant? Est-ce qu'il peut être gentil? Est-ce qu'on doit le défendre parce qu'il nous plaît? Ou est-ce qu'on envisage juste quelque chose, enfin, l'aspect naturaliste de la chose? Ensuite, le parti pris de l'album, c'est celui de développer le lien affectif qui peut être justement, et auquel qui nous précieux. Mais... Et donc l'éveiller au coin du feu, lorsque la nuit se fait de plus en plus fraîche, et le loup qui se rapproche doucement du foyer, qui bénéficie d'un peu de chaleur, ouais. Lorsqu'on se croise à la rivière, d'une berge à l'autre, lorsque l'un joue la musique, l'autre l'accompagne au chant. Et peu importe, il reste lié par un fil invisible, une corde qu'une note suffit à faire vibrer. Et le cycle des saisons, la steppe se vide pour l'hiver. Et on retrouve nos personnages avec cette petite fille née en même temps qu'une jeune louve au printemps suivant. Deux destins comme les berges d'une rivière et la vie qui s'écoule au milieu. Un album levier, je crois, aux éditions courtes et longues, graphiquement impeccable, qui propose pour la plupart du temps le travail d'Isabelle Simler, vous voyez sur ses catalogues de. Isabelle Simler a fait tout un album en dessinant des cailloux. Et c'est d'une poésie et d'une finesse extraordinaire, notamment. Les éditions courtes et longues, qui le sont tout autant, fin et extraordinaire. Graphiquement, Mayday, Mayday, aux éditions du Rouergue. Le Rouergue qui ne se lasse pas d'être curieux, graphiquement, narrativement.
Ils ont un boulot remarquable. BIDMLD, c'est ce vaisseau spatial, science-fiction. Il part dans les étoiles, avec des constellations du bonbon, celle de la glace, celle de l'ours paresseux, notamment. Ce super vaisseau spatial qui, aux confins de l'espace, vogue, hein, et qui est sous la houlette de l'observatoire, de la tour de contrôle, qui observe le moindre mouvement avec son périscope stellaire. Mais, car l'espace, on le sait, est rempli de dangers, en fait, d'a priori. En voilà un qui va nous suivre tout le long du temps. Il se trouve qu'un objet spatial étranger vient d'être repéré. De quoi s'agit-il? De qui? Que veut-il? Il faut vite alerter le vaisseau spatial. Mayday, mayday, qui est le signal de détresse des avions qui s'écrasent. C'est le, voilà, le danger imminent et mortel. Tour de contrôle à vaisseau spatial, vous me recevez? Je répète, tour de contrôle à vaisseau spatial, répondez-moi. Le code rouge est activé, nous signalons qu'un objet spatial a été repéré. Ennemi en approche. Et bien, le vaisseau spatial, lui, il n'entend rien, parce qu'il fait la fête. Il vogue dans l'espace, et c'est l'anouba de tous les diables. Ça danse, ça discute. Là, ça boit, ça mange, ça jappe, ça swing. Et on fait le tour de ce vaisseau spatial rempli de fêtes, de bonne humeur, de littérature, de culture, d'environnement encore une fois, de nature, enfin d'une serre assez fantastique. On dirait qu'il y a un jambon suspendu, mais ouais. De pêche à la ligne interstellaire. On y met finalement assez belle vie. Le concert, le cabaret. Et tout pendant ce temps-là, le message de détresse qui est sur la rengaine. Mais que se passe-t-il? Répondez, répondez. Vaisseau spatial. Et on fait la cuisine, et on fait des gâteaux et du bon café. Et les choses se déroulent. Mais qu'est-ce que vous fabriquez? Et parce que ça y est, l'invasion a lieu. Ils sont là, les méchants. On fait les barres. Tintintin. La caméra, cette fois-ci, c'est la fin. Allez. Eh bien pas du tout en fait, quand on voit que c'est la fête, eh bien il n'y a qu'à faire pareil. C'est finalement le mieux qu'on a. Avec un beau t-shirt I love mum, voilà, qui personnellement fait beaucoup marrer. Là, j'entendais une petite interview de l'autrice qui disait, Christina Spano, qui parlait de dévirilisation de la lecture et des personnages. Enfin voilà, cette injonction permanente au bon et au méchant, au bon et au mauvais, au gentil et au méchant. On a voilà, des alternatives narratives à mener. Celle de l'injonction, du danger, et le parti pris que, non pas de les ignorer, mais de créer des alternatives, justement. Un album d'autant précieux que, graphiquement, on en a une alternative aussi, qui se rapproche un peu du travail des Fourmis Rouges, que j'ai pas amené là, j'ai quelques albums quand même à présenter, mais d'une, voilà, graphisme extrêmement moderne, engagé, un parti pris, qui voilà, qui plie ou pas, je veux dire, mais qui interroge, qui questionne et qui gagne à être lu vraiment, à être vu. Bon ben ok, ben finalement communication coupée, hein, ben on vous laisse faire. Tchin tchin. Mayday, mayday. Christina Spano aux éditions du Voyage. La passoire de Clarisse Hoffmann. On avait découvert aux poissons solubles avec dans la file une petite souris qui gruge toute la file des animaux pour entrer au musée. Ça a été une découverte et encore une fois graphiquement, voilà la chose, comment les couvertures. C'est un mouvement dynamique, une dynamique incroyable. La passoire, ça va être le récit d'un rêve qu'on veut empêcher d'oublier. Lorsqu'on se réveille le matin, on sait qu'on est arrivé et on va essayer d'une manière ou d'une autre de recoller les morceaux, de garder des instants, des bribes, ça. Mais en fait, de tête, c'est une passoire qu'on a. Et les souvenirs passent. Donc, si je devais refaire le décor de mon rêve, je commencerais par les montagnes, elles étaient roses, vertes, et tout à coup, je ne suis plus sûr des couleurs, que se passe-t-il? Cette poésie des moments passés, des moments qui passent, qui nous échappent, qu'en faire? Est-ce que s'attacher à les photographier, à les garder, à les numériser, je ne sais pas. Ou est-ce que la poétique de la chose, justement, l'éphémère, de raccrocher les choses où elles peuvent être.
les atmosphères qui vont s'en dégager. Il y avait de l'eau un peu partout, des lacs cachés derrière des lacs et encore d'autres lacs. L'image de l'inconscient. Une baleine est sortie de l'eau. On m'a dit un truc qui était vraiment très drôle. Je me souviens qu'on a ri, on ne sait plus quelle était la blague, mais on sait qu'on a ri, on sait qu'on peut rire. Et parle plus fort, bah, elle n'entend plus. Et voilà, pour ce qui est de ce travail à l'aquarelle, voilà, je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Si toutefois on peut avoir un retour là-dessus, en fin de matinée. Mais voilà, Clarisse Lockman. La passoire, l'édition du poisson soluble, bien sûr. Avec ce côté proustien de la mémoire, ce qui se rappelle, et la petite perle que nous a amené Joana Concero, que vous connaissez, qui a bossé dernièrement avec la prix Nobel de littérature, le prix Nobel 2019-18, Olga Tokarczuk, auteure poète polonaise. Joana Concero, qui est polonaise d'origine, et qui à chaque fois nous fait un boulot sur la mémoire, justement, et la sensibilité. Plus, j'aurais beaucoup de photos, toujours de cadres, d'atmosphères, de petits instants, qui sont dessinés au crayon de couleur avec une finesse, une délicatesse rare, je trouve. Toujours ce grain. Plus ça va dans son travail, plus elle laisse la page faire émerger son sujet. Il y a cette vision flagrante, voilà, toujours quelques polaroïdes. Et ça, ce n'était que l'introduction, une introduction atmosphérique. Ça se penchait sur des photos, sur des souvenirs, sur des sensations. Des choses de très sensuelles, en fait. Et, voilà, que je vous disais que la page laisse émerger ses sujets. Et encore, c'est le blanc de la feuille, celui-là. Et l'auteur n'a qu'à accompagner la page, finalement. C'est encore une fois ce que je trouve être une délicatesse. Ses reflets, son boulot de sa technique de dessinatrice est irréprochable. Tout ce bon poisson volant, enfin, est-ce qu'on est dans l'eau, est-ce qu'on est dans l'air. Donc voilà, une poésie des journées d'enfance passées au bord de l'eau. C'est quelqu'un là-bas de l'autre côté, là où s'enfuient les vagues, un garçon comme moi. Et c'est comment là-bas? Est-ce qu'on l'appelle petit lui aussi? Et d'où vient cette tristesse alors que le soleil brille de tout son éclat? Est-ce qu'il est seul comme moi en ce moment? Est-ce qu'il aime les fraises au sucre et la crème fraîche? Est-ce qu'il a un vélo, un chat, un chien? Il a peut-être un lion ou un tigre, il n'a peur de rien. Joana Concero qui voilà, est à mettre entre toutes les mains, vraiment, pour des tables de lecture, je pense en bibliothèque, comment est-ce que des instituts peuvent bosser ça, des professeurs de beaux-arts pour ce qui est du dessin, crayon de couleur, qui est finalement une technique relativement classique, mais avec une modernité, encore une fois, d'une sensibilité rare. Joana Concero, M comme la mer, aux éditions Format, pardon, qui sont désormais, avec Le Poisson Soluble, son éditeur de prédilection. Ça, Charlotte Gaston, peut-être un peu plus grand public, bien sûr, à travers sa thématique déjà. Elle redessine, elle reprend les mythes que sont ceux de la Belle au Bois dormant. Et elle a ce biais de la musique classique. Elle a bossé le Lac des Cygnes, notamment, ou l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Là, elle en visite Wagner, avec son Siegfried, le cycle des Anneaux des Nains, des Nibelungen. Comment est-ce qu'ils auraient nom d'allemand? Siegfried et le dragon. Siegfried, c'est ce jeune géant élevé par un nain qui va être à la recherche de ses origines et de sa destinée. On va vraiment y retrouver du Tolkien pour ce qui est de cet anneau des nains, enfin, le Seigneur des Anneaux. Et on y retrouve aussi de la Belle au Bois dormant, foncé, du Perrault notamment, puisque sa destinée va être bien sûr de battre le dragon pour libérer la princesse qui était endormie. Un moyen de revenir aux sources des contes du 18-19e par le récit mythologique des Nibelungen. On voit le graphisme de ce dragon là, c'est étonnant. Charlotte Gaston, qui propose aussi une part de son travail en papier découpé. On trouvera dans les pages des dentelles de papier.
Ah, ce combat avec le dragon. Fantastique. Siegfried et le dragon, je ne gâche pas la fin. Les Maudits, qui n'est pas pour moi une nouveauté. Celui-là remonte à l'été dernier, mais finalement, d'un confinement à l'autre, il est passé relativement inaperçu. Les éditions à demi-mot. Ces animaux mal aimés, les araignées, les varans, les hyènes, les loups, les serpents, les pieuvres, tout ce qu'on n'aime pas, tout ce qui dégoûte, tout ce qui rebute. Et bien, ces braves bêtes, elles en ont marre de pas être, d'être mal aimées. Elles en sont tristes, elles en sont attristées, et un peu déçues, à vrai dire. Ils se sont mis sur leur 31, lits sans fourrure, écailles ou plumage. Parce qu'ils sentent un peu fort, ou ne sont pas vraiment jolis. Parce qu'effrayant les voyants, les gens ont fui. Parce que les croyances d'autrefois ne leur ont apporté que haine et mépris. Ils ont dû apprendre à se méfier. Leur réputation a jamais terni. Et puis un jour, ils en ont eu marre. Ils ont eu marre. Ils sont sortis du placard, de la brousse ou de la mare, et ils ont dit « Assez, nous aussi nous voulons être respectés. Nous aussi, nous voulons être protégés. Nous aussi, nous voulons être cajolés. » La grande réunion va se mener donc dans l'antre, la grande conférence des maudits. Voilà. On va deviser. Une fois que chacun s'est exprimé, le président de la conférence se lève et « Chers amis, je vous remercie. Nous avons bien compris la dure réalité qui est la vôtre, ou devrais-je dire qui est la nôtre. Afin de mettre un terme à cette situation, écoutons la parole d'experts, les bien-aimés. On a invité le petit lapin blanc, l'ours polaire, qui disent, mais regardez, oui, comme c'est beau, moi je fais du cirque, je suis habillé, le lapin, je distribue des oies au chocolat et je fais gonfler ma fourrure autour de mes oreilles. Ah, c'est une fantaisie. Ils disent, bon, ça c'est, ben, il serait temps qu'on aille visiter un peu ce monde des gentils, on va se faire beau, on va se pomponner. Et quand on arrive dans le monde, puisqu'en fait tout est lié à l'humain, justement, et au rapport qu'il entretient avec ses animaux de compagnie, et bien cette brave hyène et ce vautour et ces araignées se rendent compte que ils sont tout bonnement exploités, ces animaux qui sont là pour faire le cirque, qui sont bien dressés, qui sont gentils, qui n'ont pas vraiment le droit de sortir quand ils veulent ou quoi. Ils disent, mais puisque c'est comme ça, pour vivre heureux, restons cachés. Les perspectives de la domesticité, de domestication. Les Maudits, Jérôme Perra et Hélène Gloria, édition à demi-mot. Belle fable contemporaine en vers. En vers, j'y retourne juste après. Victor et Adélie, parce que pour en parler de la même manière, une parution fin 2020, la suite d'aventures, les aventures du Sacré-Cœur, aux éditions du Lézard Noir, à vrai dire, qui décline une collection de petits lézards. Et j'en parle parce qu'on gagne dans le format, à cheval entre la première lecture, l'album et la bande dessinée. Ça se croit, ça s'entrecroit, c'est un format assez inédit pour être mené. Ce sont des aventures excellentes de pour ce qui est de Victor et Adélie, deux jumeaux qui sont à la recherche de leurs parents, explorateurs, qui disparaissent d'aventure en aventure, qui partent à leur trousse accompagnés d'un espion de Sa Majesté la Reine d'Angleterre, qui a dans sa valise magique toutes sortes de gadgets. Je suis un inspecteur gadget, mais avant l'heure. On fait des tours du monde, on dévoile des intrigues à la Indiana Jones, vraiment. Tous les hommes d'une tribu centrafricaine ont disparu. C'est en fait pour exploiter une mine, une minerai spéciale avec des termites mécaniques. Il y a du Jules Verne, il y a du Indiana Jones, du suspense, du frisson, des aventures de Victor Adélie, qui est en fait le pendant des aventures donc du Sacré-Cœur, qui compte aujourd'hui une bonne douzaine de titres, pour des enfants à partir de 8 ans. C'est dynamique, c'est intéressant, c'est de l'aventure pur jus. Aux éditions du Lézard Noir, d'Amélie Sarne et Laurent Audouin. Et pour faire le lien, et avant de parler du sujet du Pourra Jauni, deux petits albums de poésie. La fourmi, l'oiseau et le vaste monde, de Nils Torres et Valérie Michel. Courtes et longues, encore une fois, c'est beau, grand format, très coloré. Cette fourmi qui fait le tour du monde sur un petit globe terrestre. Elle est persuadée qu'elle en connaît tout. Évidemment, elle a la terre pour elle toute seule. Dans un salon bourgeois, une fourmi altière chante son périple autour du globe terrestre. L'insecte a fait mander la plèbe et le bourgmestre, mais personne ne vient. Chacun a mieux à faire.
Tout hôte raisonnable éviterait ce gîte s'il connaissait cette sangsue, ce parasite. Hélas, un bel oiseau en route pour son nid fait une halte à la fenêtre du logis. Tout le monde connaît la fourmi comme étant la terreur du quartier qui vous embobine et qui vous tient la jambe pendant des ponts. Ce jeune oiseau va s'y faire prendre et nous aussi. Oiseau, oiseau, mon bon ami, dit la fourmi, ne courez pas, vous vous donnez trop d'importance. Arrêtez-vous, entendez mon récit. D'autres n'ont pas pareille chance. Quoi, j'ai vu l'océan, j'ai fait le tour du monde. Cela mérite bien, je crois, quelques secondes. Et voilà la fourmi qui explique à l'oiseau ce que c'est que le tour du monde. Une belle fable sur les tons de La Fontaine, totalement, en alexandrin, s'il vous plaît. Sur le tour du monde, sur la vanité des choses, et sur une invitation, tout bonnement, à aller voir ce dont on parle de nos propres yeux, de nos propres pieds, d'aller marcher. Sans renier, évidemment, ce que c'est qu'une bibliothèque. Et prendre son envol. Les enfants à partir de 7 ans, ouais, là-dedans. Le retour de l'alexandrin qui se lit, enfin, c'est un plaisir. Le soir, le matin, on en fait. C'est. Ouais. Courte et longue, donc, la fourmi, l'oiseau et le vaste monde. Et enfin, les homophonies de Serge Bloch. Tendez l'oreille et ouvrez l'œil. De drôles de mots se sont donnés rendez-vous dans de drôles de fables comme pour jouer. Canne ou canne, pose ou pose, encre ou encre, les homophones font lever le stylo, titillent la pensée et interrogent des fables à ne pas lire mot à mot. Si vous voulez bien, je vous en donne lecture d'une première. Le pot de vache, pot de colle. Verre à soie, coup de girafe, coup de bol, c'est rare qu'on ne se trompe pas. Maître en bois, maître d'école, tape les doigts, il le doit. Au secours, la prof est folle, elle dit que c'est comme ça. Apprenez-les par cœur, répétez-les en cœur, dans la cour et en cours, dans les champs, par les champs. Do, do, si, si, la, la, mi, mi, sol, sol, fa, fa. Il suffit de les chanter deux par deux, toi et toi, oui d'accord, eux et eux. Le talent de Serge Bloch en tant qu'auteur, les illustrations, le talent de Karine Lacasse, pardon, auteur, les illustrations de Serge Bloch, et une plongée dans la langue française, tout en poésie, en dynamique et en homophonie, que sont donc cette manière d'avoir des mots d'orthographe différents qui se prononcent de la même manière. La joie de lire, il était temps de présenter enfin aussi, pour ce qui est d'un catalogue jeunesse, ils en ont un fameux. Les parutions de l'année dernière étaient remarquables, notamment leur Dictateur, un boulot sur l'Espagne franco, qui est d'une. Voilà. Qui n'a pas rencontré son public en librairie. La thématique peut-être un peu trop lourde ou quoi, parce que ça abordait non seulement le contexte politique de l'Espagne pendant 40 ans, des années 40 à 71, mais aussi de la figure du dictateur, de la mégalomanie, l'omnipotence, de l'autorité, et qui en faisait un parangon en fait, de la liberté d'expression, de la liberté de pensée, de la liberté d'action. Ça a été, voilà, pour ce qui est de la joie de dire, je crois vraiment des albums de l'année 2020, et tant d'autres chez eux.